Oh là 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 là, on s'ennuie, on s'ennuie. Hey, papa, on s'ennuie. Ici sur cette table, y a rien à faire. Ouais, y a rien à faire, y a deux petites tables. Ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Papa Élie, ça va? Bah nous ça va, oui, c'est les Playmobil qui vont pas bien. Je fais des pompes. Oh, il fait des pompes, regarde. Alors l'adulte, ça va, il s'ennuie pas, mais les enfants, ils s'ennuient. Y a rien sur cette table. Ils font des pompes, du coup, t'imagines? Ils s'ennuient tellement qu'ils font des pompes. Bon, écoute, Papounet, Élie, si les Playmobil arrivent également à s'ennuyer, eh ben j'ai une petite activité à leur proposer. Eh ben on découvre ça tout de suite, générique. Allez les enfants, on fait des pompes. Et 1, et 2, et 3, et 4. Bah, vous faites plus de pompes? Moi, je... Bah, vous ennuyez encore j'ai plus. Je fais une ronde. Oh, il fait une ronde. Et nous revoici les petits copains, les petites copines, papa et Élie, ça va toujours? Bah non, tu vois, ils font des pompes, donc ça va pas. Hein. Ils s'ennuient, ces petits Playmobil. Mais beaucoup trop. Bah écoute, j'ai une activité et même un petit peu sportive à leur proposer. Alors on va découvrir ça tout de suite. Ils font un câlin. Oh, ils font un câlin. Alors, regardez ce que j'ai trouvé dans le magasin. Alors, c'est dans la collection Family Fun. Playmobil, c'est le kit 9423. Et alors, regarde, ça te fait penser à quoi? Une aire de jeu, quand même. Ça fait penser à un cinéma. Ça fait Papounet, alors regarde, ils vont faire plein d'activités, ces Playmobil. Il y a un toboggan, une balançoire, une corde tendue, des échelles. Wow, tout ce qu'on trouve dans un jardin public en fait. Il y a même des personnages dedans. Super ça. Il y a une maman et ses trois enfants. Oh, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre. Alors, comme d'habitude, on va faire très attention à la boîte. Oui, surtout qu'il n'y a pas une ouverture facile là, je vous demande. Allez, c'est parti comme ça. Après, on ne sait plus à quoi ça ressemble. On fait très attention à la boîte. Très, 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 très attention. On ne l'abîme pas du tout. Délicatement. Délicatement. On se fait gronder. Alors on y va doucement. Oh là 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 là, il y a beaucoup de sachets dans ce kit. Et voilà les petits copains et petites copines, on a tout déballé. Alors qu'est-ce qu'on a? On recommence, coucou. Les copines. Alors dedans on a la notice avec quelques petits accessoires. Toujours pareil, toujours. On le dit à chaque fois mais c'est vrai. Les mobiles c'est toujours bien rangé, regardez. Un sachet pour chaque chose. C'est dur à dire en même. Un sachet pour chaque chose. Tout à fait. On a des petits piliers. On a le toboggan, la pièce maîtresse du kit. J'ai dit chaque. J'ai dit chaque mamounette. Chaque sachet. Chaque chose. Bah c'est bon, j'ai bon. Chaque chose. Enfin bref. Oui, donc tu disais, il y a un petit peu de tout. On va tout ouvrir et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Doing, doing, doing. Ah, nous revoici, petit copain de copine. Bah ça y est, j'ai tout déballé. Regardez, tout est sur la table. Donc on a des petits accessoires. On va très vite détailler, mais très vite parce qu'en fait on va le monter surtout. Oui, c'est mieux. On va l'essayer. Voilà. T'as donc, un toboggan. Un toit. Des structures, des piliers, on a aussi de l'herbe, du sable, oui des socles pour pouvoir accueillir les structures, on a des ballons j'ai l'impression, des échelles de cordes, on a plein de choses, on a aussi les petits personnages, on a un banc, qu'est-ce qu'on a d'autre mamounette, on a des cordes comme ceci là qui vont tenir les balançoires. On a plein de choses, on a des choses aussi comme ça, je sais même pas ce que c'est. La balançoire, ça, pas bon, il me semble, oui. On a des arbres. Et oui, c'est en pleine nature. Bah oui, c'est dehors, hein, puisque c'est un, comment on peut appeler ça, un outdoor. Outdoor. Et on a aussi le petit outil qui va nous permettre de tout assembler. Alors moi, j'ai la notice qui est là. Donc là, c'est la représentation finale. Donc normalement, ça doit ressembler à ça à la fin. Est-ce qu'on va y arriver? J'espère hein, quand même. Non, tu t'es jamais trompé pour les Playmobil. Tu as toujours assuré la cacahuète. Alors là, tu mets la pression. Hein. Eh oui, t'as la pression. Toujours mettre la pression. C'est ce que je vois là. Je vois qu'il y a un petit panier, effectivement, Élie, dans ses mains. On a un petit panier avec son petit couvert. Le fond, il faut le construire. Ah oui, c'est un fond en fait. Ah oui, il faut le construire. Oh, c'est trop rigolo. Mettre le panier, il faut le construire. Donc c'est quoi, mamounette? Il faut même construire, regarde. Je te montre le gobelet. Ah, le oui. Gobelet est comme ça. Là, on a la paille. Voilà. Ouais. Et en fait, il faut mettre dessus comme ça. Tac. Et on obtient un gobelet. Ah, en fait, ils font un pique-nique aussi au Spark. Hein. Bah oui. Et il ne faut pas confondre le gobelet et le gobelin. Parce que le gobelin, c'est un monstre. Ça fait peur. Le gobelet, bon, enfin bref. Sympa le petit pique-nique aussi au parc. Sympa. Bon, les petits copains, copines, on va monter tout ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Les enfants.
Et nous voici les petits copains de copines. Ben voilà, ça y est, c'est tout monté. Vous avez vu, on a mis quelques petites cuisines. Elle accouche. Elle va accoucher au parc. Mais t'as raison. Elle va accoucher au parc. Mais appelez un médecin, Mamounette, regarde. La maman, elle attend un bébé. Oh, la maman des Playmobil, elle est enceinte. Ah oui, mais là, elle va peut-être pas encore accoucher tout de suite. Elle est pas énorme. Oh, c'est sympa, hein, les petits détails comme ça. Ou alors, bon. C'est qu'elle a trop mangé de burgers, Mamounette. Oui, peut-être alors. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, alors elle se repose sur le banc, elle attend et elle surveille les enfants, c'est ouais, ça. C'est ça, elle surveille les enfants. Elle attend quand le médecin vient lui soigner le ventre. D'accord. Elle attend le médecin. Le médecin, bah oui. Mais regarde, Mamounette, ça se voit qu'elle est enceinte, regarde, elle a faim. Hein. Elle mange, elle boit, regarde, elle a des pommes, regarde dans le panier. C'est mignon ça, des petites pommes. Regardez, en plus, il y a une petite tige comme ça, le Playmobil peut le tenir. C'est sympa! Il tient sa nourriture et comme ça, hop, c'est vraiment une scène de pique-nique, quoi. Et c'est tous les enfants vont accoucher, même la maman. Mais alors ça, Ellie, elle est à fond, sa blague, elle a trouvé sa blague, elle est à fond. Alors regarde, Mamounette, elle a même un chapeau parce que tu sais, il faut se protéger du soleil. Hein. Oh oui, tout à fait. C'est. Bah vas-y. Donc voilà, la structure est montée, on va vous la détailler rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a donc la maman sur le banc. Voilà, elle est là, elle est sur le banc, hein, elle se prélasse. On a un petit enfant qui fait du cheval à ressort, vous savez, ces petits chevaux là qui se penchent en avant, en arrière, bah regardez. Ah, ça imite bien en plus, le Playmobil tient super bien. Oh, oh là là, Ellie ou Lana a déjà fait ça en vrai? Ça craint. Je crois que c'est Lana. Il tient super bien. En fait, j'avais mal connecté, mon gars. Oh là là. C'est ma faute. Hop, hop, voilà, voilà, là, il n'y a plus de soucis, regarde, regarde. Au secours, Mamounette! Donc voilà, c'est le cheval à ressort. Mais ça, c'est rigolo. Hop, allez, on va le laisser là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'a pas envie de tenir. On a aussi la petite fille. Regarde, Mamounette, la petite fille. Cette maman a deux enfants. Avec déjà. Sa petite queue de cheval. Elle a un petit colchon sur son t-shirt. Sympa, les petits détails. Ok. D'accord. Ensuite, on a ceci. Alors, ça, c'est pas un couvercle, hein. On pourrait croire. En fait, tu l'avais la petite fille. Tiens, tiens. C'est pas le couvercle, enfin, le couvercle, le bouclier de Thor, ni même le bouclier de. Comment il s'appelle déjà, là, ce super-héros, là. Tu sais, mon bouclier. Non, je sais pas. Captain America. D'accord. Il a ça, il a un bouclier. Ouais. Bref, ici, c'est pour tourner, pour s'amuser. Alors, je vais le mettre là, regardez. Hop. Oui, c'est une sorte de tourniquet, quoi. Ça va, t'as pas trop envie de vomir? T'as trop envie de vomir? Alors là aussi, il tient bien. On va voir, on va tester. Ce qui tenait pas bien sur le cheval, on va voir là-dessus. Mais là, ça va. Mamounette, regarde. Non, il a plus de force dans les jambes que dans les mains, les plus mobiles. Merde, on peut lui faire pour n'importe quoi, il lâche pas, hein. Arrête-tu. C'est vrai, regarde. Mais il lâche jamais. Chouinette. Mais tu vas lâcher. Super bien, il a des jambes. Super. Ah, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oh! Regardez, celui-là il est costaud. Hein. Ça c'est Rambo. Hein. Regardez. Ah, il se tient par les mains. T'as vu ça, Mamounette? C'est Rambo. C'est cool. Alors, Mamounette, tu crois qu'il tient? Vas-y! Vas-y! Ah oui, il tient super bien. Vas-y, vas-y. Oh, il fait même un soleil. Regarde. Ah, bah, alors lui il tient. Là, il n'y a pas de souci, celui-là. On a beau terre mouillée. Bon, lui, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, Mamounette? Ici, on a une échelle de corde pour pouvoir grimper. Et une fois qu'on est en haut, qu'est-ce qui se passe? On tombe. Ah oui, hein? Parce non, que c'est vide. On fait un saut arrière et on va là. Il faut être quand même vachement... Est-ce que tu l'as monté dans le bon sens? Bien sûr, Mamounette. Bien sûr. Tu penses que je l'ai pas monté dans le bon sens? Si, c'est normal qu'après la corde, il tombe. Il tombe dans la balançoire. Je vais regarder la notice. Après la corde, Mamounette, il tombe dans le vide. D'accord, ok. Voilà, j'ai monté comme il faut. Bravo, Papounet, je suis fière de toi. Peut-être il attend ici, il regarde la petite fille, il tombe après. Quand il a envie de faire ça. Mais il fait comme ça quand il va essayer de tomber, donc il peut pas se faire mal. C'est pour ça qu'ils ont mis un chapeau. D'accord, mon coup.
Bon bref, c'est pas très sécurisé ça Playmobil ici. Moi j'aurais mis, je sais pas, une petite échelle de corde ou même un plancher. Un plancher, oui, tout à fait. Là, on couperait ce truc et après on mettrait là l'échelle. Après là on coupe. On sécuriserait quoi hein. Ou on mettrait une signalisation quoi. Oui, attention en haut. Attention coup. En haut de la corde, y'a rien. Vous allez donc, tomber. Ici on a aussi une giga balançoire. Vous voyez là Ellie est en train de placer son petit personnage. Attends, je vais placer une petite fille. Tiens, si tu veux, j'ai la petite fille. En fait, ils peuvent se mettre à deux, il me semble. On peut coincer deux paires de jambes. Ouais, c'est ça. Deux paires de jambes qui se regardent et ça fait un peu les bateaux, tu sais, les bateaux dans les fêtes foraines là. Oui, ce que tu détestes. Quand je suis malade, je fais un, deux. Alors au début, je suis comme ça, je fais. Ça, après... c'est au bout du premier mouvement. Au deuxième, je suis déjà comme ça. Vert, tu te verdifies. Troisième mouvement. Bof, ah bof. Quatrième mouvement. Malade, c'est fini. Je ne peux pas supporter ça. Je supporte pas les bateaux comme ça. T'es trop sensible. C'est le seul truc. Bah, moi, aussi. Dans les voitures aussi, derrière. Moi, quand même. Les trains aussi. Moi aussi. Dès que ça bouge. Moi aussi, quand j'avais essayé, j'avais même pas vomi. Oui, toi, c'est vrai. Moi, en fait, ce que je crains, c'est le mal de mer. Ce qu'on appelle communément le mal de mer. C'est-à-dire qu'on est fixe. Et tout ce qui est autour bouge. Et alors là, bon, sur les bateaux, dans les trains, partout en fait. Voiture. Ah si je conduis c'est bon, mais si je conduis pas. Bizarrement l'avion non, parce que visuellement on voit pas le paysage défilé. Papa, moi aussi quand on allait voir quelqu'un, et ben j'avais vomi dans la voiture. Oui, dès qu'on va voir mamie. Hein, c'est ça. Ma mamie à moi, elle y vomit parce qu'il y a trop de tournants. Puis il faut dire quelque chose, si c'est Kelly dans la dans la voiture, elle regarde sa tablette, elle lit des livres, elle joue. Et au bout d'un moment, elle fait, je me sens pas très bien. Oui, alors que moi, clair. Je suis dans une voiture, je regarde le paysage, comme ça, je bouge plus. Sinon, si je fais ça... Oh merde. Bref. Bon, c'est l'heure de jeu, Papounet, après avoir raconté ta vie. Toutes nos façons de vomir. Donc voilà, on continue. C'était ça en fait que ma mère. Ah oui, c'était ça, était là. Donc regarde ma mounette. On place le petit personnage et elle a su accoucher. Parce que tu crois, c'est vrai que j'abuse un petit peu là, je force un petit la peu. La maman va accoucher. Attention, regardez bien. Ouais. Oh, ça tient. Voilà, juste changer de position. Oh, bah ça tient. Parce que normalement, il faut la caler là. Et on la soit comme ça et on la cale. Eh oui, comme dans le petit tourniquet couvercle là. Bah regarde, non, c'est avec les bras en fait. Alors je vais le faire. Allez, je le fais comme il faut. Alors, tac, tu lui coinces les jambes, non, plutôt? Ah non, c'est les bras, ma mounette. C'est les bras que tu coinces? Bah oui, regarde, tu vas voir. Tac, voilà. Là. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, bon, Ellie vient de... La coquine. La tronche, quoi. Tu lui as explosé la tronche. Alors, je fais un essai. Est-ce que sans tenir, c'est sécurisé, ma mounette? Ah, pas du tout. Voilà, c'est un... Absolument pas. Heureusement, il avait son casque. Super. Donc ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est, ça, maman? Le toboggan, et pour y accéder, il y a ici une petite échelle rouge, vous la voyez juste devant. Ouais, donc ça, c'est pas une échelle de corde, c'est une vraie échelle solide. Hein, donc ça, c'est. Ici, ça on va. Peut pas monter parce qu'il n'y a pas de barre d'échelle. Si, elle est là, l'échelle, regarde, elle est devant là. Tac, 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 c'est la petite échelle rouge. 1, 2, 3, 4. Oh, mais 3 barres, ça va, 3 barres. Alors vas-y, ma puce, fais-le monter, on va montrer à nos petits copains et copines. Regardez, les petits copains. Hop, elle monte, la petite fille, et là, est-ce que c'est sécurisé, mamounette? Pas du tout. Bah, c'est toujours comme ça dans les parcs. Hein. On n'a pas d'arrêt. Alors, moi, je mets un arrêt. Vas-y. Voilà. Oui, alors là, c'est deux arbres, c'est pour la déco en fait. Hein. Ah, c'est isolé, c'est tout seul. Bon, bah, alors on peut mettre ça alors sinon. Vas-y, ma puce. Et on se prend un bouclier. Mais attends, moi, j'ai fait comme ça. Donc, voilà, c'était une aire très sécurisée. Oh, t'es pas... On peut même monter là-haut, regardez. Je crains rien à son casque. Mais tu sais que les vraies aires de jeu dans les parcs, des fois, il faut faire super attention. Ça peut être dangereux. Ici, c'est tellement sécurisé. Ça lui a plu à Ellie. Tellement, il y a juste un trou. En fait, on peut mourir. Bon. Ça m'a envie de mourir en mer. Hein. Voilà, on saute et voilà. Bon, et petit copain de copine, c'est quand même vachement rigolo. Hein. La bordelle. Non, ouais, c'est trop bien Playmobil. Donc, bah, écoutez, ce produit moi, est désormais en vente. Je t'ai dit toi, tu marches, ça c'est très dur de marcher ma mounette. Hein. Moi j'essaye de monter à l'envers, faut pas le faire. Hein. Mais moi j'essaye de monter à l'envers comme ça. Et souvent j'arrive au milieu et je fais et je me retrouve en bas. Bon et petit copain, copine, on fait de gros bisous. Moi j'ai glissé en montant, regarde. Toi tu glisses tout le temps en fait, en montant, en descendant, sur le côté. Bon, et petit copain, copine, cette fois-ci c'est la bonne. On fait de gros bisous, likez, partagez, commentez. Et sachez que ben voilà, ça existe et c'est plutôt pas mal. J'ai enlevé mon chapeau, j'ai enlevé mon chapeau.
chapeau. Ok, Kelly est déjà dedans. Elle va faire des histoires sécurisées. Bah, Monette, on se laisse sur quoi? Sur la petite fille? Allez, on va pas prendre la femme enceinte. Sinon, elle va accoucher. Oui, faisons attention. Faisons attention. On se laisse sur qui? Bah, on se laisse pas du tout sur la petite fille, parce que je l'ai plus. La maman? La maman qui est sainte. Qui est sainte? Sainte maman. Mais elle va vomir du coup, parce que ça vomit beaucoup les femmes enceintes. Alors je lui mets un truc pour vomir. Moi aussi. Allez. Oh, allez, vomir.